Salut, c'est Aiolia, bienvenue sur Aiolia Passion Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo sur Star Wars Battlefront 2 par Electronic Arts DICE. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le jeu est sorti il n'y a pas longtemps. Là, c'est la version d'essai que j'ai, donc via EA Access. Comme vous pouvez le constater en haut à droite, je viens de le remarquer, donc marqué Trial. Et donc on va pouvoir tester vite fait. Donc j'avais fait une bêta, Bon ben voilà, je suis Battlefront, c'est pas trop mon kiff. Je préfère les trucs un peu plus fermés à la Call of Duty dans le multijoueur. Mais on peut quand même tester la campagne. Et donc le Star Wars Battlefront qui était sorti il y a un petit moment de cela sur PS4 et Xbox One. Et PC n'avait pas de mode solo, c'était uniquement du multijoueur et il n'y avait pas de bataille spatiale non plus. Donc là, comme vous pouvez le constater, cette fois, ils ont fait un mode campagne qui prend... je sais plus exactement la chronologie par rapport au film, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le multijoueur est de 8 jusqu'à 40, suivant les modes de jeu que vous allez choisir. Et donc, on va tester tout de suite le mode campagne. J'avance un petit peu le micro pour qu'on m'entende un peu plus. Et c'est parti. C'est quoi? Alors, force spéciale, affronter des ennemis impitoyables et lutter. On va se mettre... Hop, il y a combien de niveaux de... D'accord, il y a 3 niveaux de difficulté. Donc le 1, forcément plus facile. Normal et donc difficile. On va se mettre sur le normal pour avoir une vidéo un peu plus agréable à regarder. Temps de chargement. Donc Star Wars Battlefront 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Donc là je suis sur Xbox One X, en sachant que vu que c'est la version 1080p, puisque je n'ai pas d'écran 4K. D'ailleurs je viens de remarquer un truc, c'est que je ne suis pas en 60 fps. Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio. Escouade Inferno. Commandant Versio, vous devez être importante. Regardez-moi. Venons-en au fait. C'est pour ça que je suis là. Vous avez le code d'activation. J'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi le code. Vous savez que vous pourriez nous être utile. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas sombré avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. VZ-626. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive? J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de détention.
En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. Ça ne servira à rien si le droïde est désactivé. Tant qu'il n'aura pas entendu son code d'accès, cette ID 10 ne bougera pas. Laisse-moi travailler en paix, s'il te plaît. Voilà. Droïde, exécute le plan. Télécharge les plans du vaisseau depuis leur terminaux, puis retrouve-moi. Donc, j'ai voulu me faire plaisir, on a regardé les visages, ils étaient superbes. Alors, choc élimination, droïde. A et B, on monte et on descend, ok. Est-ce qu'il y a des options Pas mal ça, vous avez vu, vous avez les différents modes de daltonien en fait. Les différentes variantes. On va par le système de ventilation. Ah, je sais, il me semble qu'il est en 60 fps, alors du coup je pense que je vais mettre une petite pause sur la vidéo. Et vous passez comme ça en fait. Et leur passer en 60 fps histoire que ce soit un peu plus sympa. Donc je fais une petite pause et puis on reprend tout de suite. Voilà, donc j'ai vérifié quand même les résolutions, etc. Donc le jeu est bien en 1080p 60 fps. Donc du coup, j'ai activé le 60 fps pour avoir une capture un peu plus fidèle. Donc là, on a retrouvé notre cher ami et collègue. Je suis censé télécharger les cartes 3D pour le. Mais bon, pour le moment apparemment. Allez hop, on y va. Donc comme vous avez pu le constater déjà au début, les visages sont magnifiques, quoi. C'est un truc de fou. Techniquement, il est... Merde. Vous avez vu, il faut faire attention à pas taper les parois en fait, parce que du coup, j'ai les soldats qui se sont dit c'est quoi ce bordel. Merci, on a besoin de toute information qui pourrait servir à l'attaque de l'étoile de la mort. Donc là on est juste avant l'attaque de l'étoile de la mort, hein, tout simplement. Alors, la jauge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence. Lorsqu'elle se met à clignoter, c'est l'alerte générale. Là, elle a clignoté, elle est en alerte générale. Ok. «
fait passer. Est-ce que je tente l'électrocution ? Non, il n'y a rien à télécharger là-dedans. Oh. Donc du coup, faut que je fasse attention à pas toucher les parois parce que sinon, ils se mettent en alerte. Enfin, presque. Il y a quand même de sacrés effets, hein. Techniquement, là, c'est quand même assez impressionnant. Scanner, appuyer sur alors les petites gâchettes donc pour utiliser le scanner, sa technologie de surveillance. Voilà, j'ai détecté plein de gens. C'est ça que j'aime bien dans les dans la science-fiction, la SF, les Star Wars, etc. où il y a des gros vaisseaux spatiaux qui débarquent sans prévenir et dans l'espace, etc. Oui, je suis dans la zone. Il veut pas que j'aille trop haut, hein. Pourtant, il y a quand même une hauteur sous plafond qui est quand même énorme. Taser, il faut attendre qu'il soit chargé pour pouvoir l'utiliser, hein, tout simplement. Je t'entends à travers le conduit, tu n'es pas loin. Bah oui, t'es là. Coucou. Alors, choc élimine les ennemis. Lorsque la jauge est pleine, bien utilisée, il peut également neutraliser les véhicules. La jauge se remplit quand Iden inflige des dégâts aux ennemis et réalise des tirs en pleine tête et des éliminations furtives. Ok. Donc en gros, là, je peux. Envoie-leur.
rebelles ont compris que vous vouliez vous faire prendre? Ils ne se doutent de rien. Alors décharge, on ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce travail, nous devons être discrets. Je comprends, commandant. Ici l'amiral Akbar. J'appelle l'indéfectible. Vous avez maintenant connaissance de la balise qui dirige les vaisseaux de l'Alliance vers le système Galam. Avec cette ruse, nous détournons l'attention de l'Empire de Sulust. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Sulust. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Si les rebelles détruisent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. Ah. J'ai toujours adoré les jeux où on ne peut pas regarder dans la lunette, en fait. Ah oui, c'est l'élimination. Où on peut pas regarder dans la lunette alors que t'as une lunette, justement. Piratza. Et... Ça y est, on met le casque. Oups. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ça s'ouvre, ça? Non, ça s'ouvre pas. Oups. Bon ben voilà. Bon bah pour l'infiltration on y repassera. Vous pouvez constater que l'intelligence artificielle est pas force. De communication. Ok. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Bien reçu. Ils sont pas très fufutes hein, parce que l'autre, sa collègue se fait électrocuter juste à côté de lui. Il a même pas bougé le petit doigt quoi. Scanne la zone. Ne me dérangez pas. Ce chiffrage impérial est très... Bah. Il... Le message crypté. Merci, Captain Wright. Nous avons de nouveaux ordres. La flotte impériale ira se positionner de l'autre côté d'Endor. Là, nous attendrons l'attaque rebelle. Puis... Purge terminée. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. Agent Ask, allez, c'est le moment. Commencement des préparations. Je prends un blaster et je me rends au point d'extraction. Je suis en route. Le Corvus y sera. Ah bah voilà, là on peut, là. Analyse des menaces. On va peut-être s'occuper d'eux là.
éviter de se faire prendre en sandwich ou de prendre des dégâts pour rien. Droïde, tu me pirates ça. Alors, tirer sur les panneaux de commande pour ouvrir ou fermer les portes, ça c'est bon ça. Excellent. Bon là, il n'y en a pas. Oups. Oups. Tiens. Voilà. D'ailleurs. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus personne qui passera par là. C'est un petit peu de la chair à canon les trucs, les ennemis là. On ne peut pas celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Allez, on avance. Commandant, sur le pont. Repos. Mission accomplie, commandant. Mais sans aucune perte. Vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Je peux attendre. Agent Miko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Un peu plus tard. Thank you.
pauvre imbécile. Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de boucliers de l'Étoile de la Mort ? C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. Dites au général Solo que ça pourrait prendre un moment. S'il y a quoi que ce soit de récupérable, on le trouvera. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. On fait un paquet de débris à trier. Ok. Attention, commandant. Une cible en approche droit devant vous. Alors, capacité déverrouillée. Avant-garde, série d'élimination. Version améliorée d'avant-garde qui prolonge la durée de la capacité à chaque ennemi vaincu. Équiper des cartes des étoiles. Les cartes des étoiles peuvent améliorer les capacités uniques ou les remplacer complètement. Chaque personnage et vaisseau peut équiper jusqu'à 3 cartes. Alors avant-garde, série d'élimination. Oh, ok, on la prend. Et voilà. Et donc voilà les... on va dire les pouvoirs de Eden Versio, avec LB c'est la grenade à impact, le scanner avec les deux gâchettes et RB pour déclencher la version améliorée d'avant-garde qui prolonge la durée de la capacité à chaque ennemi vaincu. Bien vu, agent. On prend le relais. Lance un scan. C'est superbe. Le jeu est super beau, honnêtement. Et le solo donne envie qu'on s'y intéresse, sérieusement. Merde, quel connard. J'ai balancé n'importe comment la grenade en fait. Je l'ai lancé en mode Call of Duty, sauf que je suis pas à Call of là. Oup, dans l'autre sens. Voilà. Donc, du coup j'ai vraiment lancé n'importe comment. Voilà. Ah merde, quel con. Non mais n'importe quoi, j'ai fait vraiment n'importe quoi. On va se dépêcher. Pour essayer d'en éliminer le plus possible. Ça va aller, il va s'éteindre. Voilà. Hop.
Hop là. Dès que je m'arrête dans la zone bleue, ça charge comme il faut. Si je fais dans la zone jaune, ça fait un super, une super bastos. C'était le dernier. Regroupez-vous et préparez-vous à partir. Oula, 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 oula. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs TIE. C'est notre seule chance de rejoindre le Corvus. Agent Nico, vous partez devant. Oui, commandant. Ouais. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Amiral, l'escouade Inferno évacue Endor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloane a ordonné la retraite. Quittons le système. Regagnez votre vaisseau, commandant. Survivez. J'envoie les coordonnées du point de rendez-vous. À vos ordres. Quand nous aurons atteint le Corvus, nous vous rappellerons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'Empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé le prix. Commandant, puis-je m'exprimer librement? Je vous l'accorde. Je sais qu'on est entre nous, Eden, mais ça frôle la trahison. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Miko. On s'occupe de vous. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Pas si vite, agent. Attendez, monsieur. Mes excuses, commandant. Si c'était aussi simple, l'Empire aurait été détruit sur Yavin 4. Et même s'il l'était, cette lune roule toujours d'impériaux. On n'est pas encore sorti d'affaire. Alors, qu'allons-nous faire? Allez, on va aller les aider. Ça fait bizarre d'être du côté obscur là pour le coup. Wow, comment elle m'a snipé à la grenade elle? Ah bon, bah je suis mouru. Hein. Ils étaient un petit peu beaucoup pour que j'en prenne, pour que je les prenne pour de la chair à canon, en fait. Et du coup, ça m'a permis de débloquer une nouvelle carte. C'est quoi ça? Disruption.
un dispositif de désamorçage modifié qui crée une décharge d'énergie ionique. Surchauffe les armes ennemies, désarme les explosifs et désactive temporairement les tourelles. Ok. Allez. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Nico. On s'occupe d'eux. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Pas si vite, agent. Attendez, je vous le feu. Mes excuses, commandant. Si c'était aussi simple, l'Empire aurait été détruit sur Yavin 4. Et même s'il l'était, cette lune roule toujours d'impériaux. On n'est pas encore sortis d'affaire. Donne-moi un scan. Ne pas. Ouais, monte ta tête, toi, là-bas. Là. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Parce que mine de rien, il y a énormément de choses à faire. Voilà, ça c'est pour changer les armes. J'ai besoin d'un piratage. Voilà, vous voyez, j'ai même... Donc vous saurez que si vous... soit vous passez votre chemin et à ce moment-là, vous passez votre chemin. Soit vous passez pas votre chemin et à ce moment-là, vous avez quelques armes en bonus et aussi la possibilité de changer du coup de dégager le fusil sniper qui est peut-être pas forcément votre arme de prédilection. Ils sont où ? Oh. Vache. On est bon là ou pas là? Oh, c'est bon. Nous n'attendions pas les forces spéciales. C'est le principe, sergent. Yeah, lance-roquette. Vous doyez pire chandelle, commandant. Commandant, des rapports font état de transport ennemi s'opposant sur Endor. Ils déploient des troupes partout sur cette lune. Mieux vaut ne pas se tarder. Alors, les officiers augmentent l'efficacité de leurs alliés et peuvent déployer des tourelles défensives. Occupez-vous d'eux à la première occasion. Commandant, regardez. Anne, soyez prêts. S'il y a des impériaux dans le coin. Ah bah tu sais quoi ? Il est où ? Il est là. Tiens, prends ça. Voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a plus personne.
Et où? Montre-moi les cibles potentielles. Ah. On va remettre un coup de lance-roquette. Oups. Ouf. Ouah, c'est quoi ça? Ah, vache. Lance-scan. Ouah. Hop là. Pas le temps de recharger pour avoir la super bastos. J'ai rejoint une escouade sur la plateforme. Je vous attends avec l'agent Ask pour rentrer. On arrive. Agent Miko, au rapport. Commandant, les rebelles ont pris la plateforme numéro 4. On va devoir se battre pour la récupérer. Et vous êtes déjà prêts, on dirait. Soldats. Nous allons reprendre cette plateforme et quitter cette lune. Et ensuite, nous ferons payer les rebelles. Bien, commandant. On est avec vous. Et voilà, donc écoutez, je vais pas vous spoiler plus longtemps la mission sur Andorre. Et puis ben voilà, je vous, pour ceux qui ont adoré Star Wars Battlefront 1 pour son multi etc et qui avaient envie vraiment de faire d'avoir un mode solo, ben ce sera l'occasion d'y aller hein. Surtout qu'en plus il y a les batailles spatiales cette fois. Si c'est pas du tout votre cam, honnêtement vous aimerez pas plus. Après agent As, vous venez avec moi. Est-ce que le solo sera assez long pour justifier l'achat juste pour faire le solo? Je ne pense pas. J'en suis pas bien sûr. En tout cas, le jeu est super beau. Et super fluide. Et super bien. Et c'est Star Wars. Bref, après, faut aimer. Perso, je suis pas un grand fan du multijoueur de Battlefront. Donc du coup, je suis pas bien sûr que le mode solo se suffise à lui-même du coup. Du coup, je pense que je craquerai moi personnellement pour Battlefront 2 quand il sera à plus petit prix. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette version Xbox One X qui est au niveau du 1080p, en tout cas pour moi puisque je n'ai pas de 4K, de très très bonne facture. C'est très très beau, les visages sont magnifiques. Les effets de lumière, tout ça, etc. Bref, c'est du grand... C'est du... Oh! Tais-toi. Voilà, et puis je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Faites-vous plaisir, ça fait plaisir à moi aussi, c'est pareil, ça me fait plaisir. Hein. Et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo qui sera donc, hop là, qui sera sur Need for Speed, puisque j'ai aussi la version d'essai de Need for Speed Payback. Donc du coup, voilà, ça sera l'occasion de faire une petite vidéo. Je vous fais des bisous et on se retrouve donc pour Need for Speed Payback très prochainement. Salut, ciao.